Magnetic Shield, le voilà à nouveau avec le numéro 47, qui s'appelle Jade Amsil, présenté par Pouligar.com. Amélie Martin ici présente, Sylvain Martin, les fondateurs. Ils ont récupéré Stup Demot, la poulinière qui est là, qui était partie dans un club hippique à faire. Elle faisait pas du horse ball, Amélie, Stup Demot. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est du horse ball. Bon, elle n'est pas trop grande, elle avait la bonne taille pour faire du horse ball, mais Stup Demot, Sylvain et Amélie l'ont récupéré. Ils sont, quand ils sont tombés sur cette occasion, il faut absolument la récupérer. C'est bien pour cela que vous allez découvrir cette grande particularité, c'est que Stup Demot, elle a 20 ans, elle est née en 99, elle est toute fraîche, mais elle a 20 ans, et elle nous présente ici en fait son premier produit. Tout simplement parce qu'avant, elle n'était pas poulinière, elle faisait du horse ball. Et pourquoi Amélie et Sylvain Martin ont récupéré cette poulinière malgré son âge? C'est tout simplement parce que c'est une merveilleuse origine. La grande souche des modes, par Malik Berry et Craig des modes, la matrone, qui est à l'origine de Trifolium. Dommage pour toi, tout récemment. Plastique des modes, Aristo des modes, Kif des modes, enfin. Cette souche provient d'une origine Chénion, de Roger Chénion. Elle provient de Queen Mary 4. Elle a 11 ans. Et c'est marqué 1999 sur l'année de naissance. Donc, voilà. Il y a un bug dans le catalogue, désolé. Il y a un bug dans le pédigré. Elle n'a pas 20 ans, elle a 11 ans. On disait qu'elle était quand même bien fraîche pour les chevaux de 20 ans. Enfin bon. Donc elle n'est pas née en 99, mais en 2008. Stup Demot, bien sûr, c'est une US. C'est l'année de la création du studbook AQPS. Donc une origine Roger Chénion, disais-je, qui a été récupérée.